Bonjour, aujourd'hui on cuisine avec Samuel. Très souvent, dans les recettes de cuisine, vous trouverez les verbes au mode impératif. On l'utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une recommandation. Les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à trois personnes. Tu, nous et vous. Alors avant de se mettre à nos fourneaux, voici quelques verbes du premier groupe conjugués à ce mode. Émincer, remuer, mijoter, dorer, retourner, saupoudrer, égoutter. Que nous allons conjuguer à l'impératif présent. Retourne les croûtons. Retournons les croûtons, retournez les croûtons. Mais attention au verbe émincer. Bonjour, je suis Samuel. Nous allons faire une soupe à l'oignon. Il vous faut 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 50 g de beurre, 3 oignons, 1 cuillerée à soupe de farine, 1 litre d'eau, 1 cube de bouillon de volaille, du sel et 3 tours de moulin à poivre. Pour les croûtons, il vous faut 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 50 g de beurre, baguette en tranches, 100 g de parmesan, 3 tours de moulin à poivre, du sel. Pour les ustensiles, un grand couteau, une grande cuillère, une cuillère en bois, un faitout, une grande casserole et une petite poêle. Épluchez les oignons, puis émincez-les finement au couteau. Dans un faitout, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un petit morceau de beurre. Ajoutez les oignons et remuez. Dans une grande casserole, versez le litre d'eau. Ajoutez le bouillon cube et faites bouillir. Quand les oignons sont bruns, versez la cuillère à soupe de farine, un morceau de beurre, puis ajoutez le bouillon chaud. Remuez, puis salez et poivrez. Laissez mijoter la soupe quelques instants. Pendant ce temps, chauffez la poêle à feu moyen et versez-y un filet d'huile d'olive et un bon morceau de beurre pour faire dorer les croûtons sans les griller. Quand ils sont bien dorés, retournez-les et saupoudrez-les de parmesan. Retournez-les une fois encore, puis égouttez-les sur du papier absorbant. Servez la soupe bien chaude, accompagné de ces fameux croûtons. Il est temps de déguster la soupe et les verbes du troisième groupe. Servir, mettre, faire, que nous allons conjuguer à l'impératif présent. Sers la soupe. Servons la soupe. Servez la soupe. Mais attention, le verbe faire est irrégulier. Fais la salade. Faisons la salade. Faites la salade. Bon appétit et bonjour de France !